Salut les cinéphages, c'est Mirej, et ça y est, il est enfin sorti, il est enfin sur nos écrans. Indiana Jones 5, si, le 4 existe, réalisé par James Mangold et plus par Tonton Steven. C'est pas... La critique sera bizarre, les enfants, parce que j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai vu, c'était très très bizarre. À la fois, j'ai trouvé le scénario peut-être un petit peu mieux que le 4. J'ai trouvé que Harrison Ford, et j'avais très peur, hein. C'est vrai qu'il est vieux. On fait un blockbuster à 300 millions avec un papy de 80 ans, c'est quand même assez hallucinant. Il est investi, il est pas mal, ça va, ça passe, franchement. Ça passe à grands coups d'image de synthèse. Hein. Et le film débute donc avec le de-aging de Indiana Jones. Et bon, c'est bizarre, hein. Ça dépend des plans. Donc il y a de beaux plans, il y a des gros plans qui sont bien, il y a des petits moments où la magie opère, mais globalement quand même, on n'y croit pas trop et ça fait un peu sortir du film. Et c'est quand même dommage parce que c'est l'ouverture. Et du coup, en plus c'est full synthèse, enfin je veux dire, il y a des effets spéciaux partout, etc. On retombe un peu donc dans... ce qui plaisait pas dans le 4, quoi, hein, c'était pas fait à l'ancienne. Et là, ouais, le film commence, tu fais wouh! Déjà, ça commence, il n'y a même pas le logo Paramount. Alors qu'en plus, ils ont mis Paramount, hein, c'est juste qu'après, ils mettent Lucasfilm et ça commence, voilà, ça fait un fondu sur un loquet, je crois, ou une serrure. C'est pas exceptionnel, ça va trop vite, on n'a pas le temps vraiment de s'investir. Alors, c'est aussi parce qu'on est focalisé sur les effets spéciaux, hein. Peut-être pas tout le monde, mais moi, en tout cas, j'étais là en train de me dire. Ouais, là ça marche pas, là c'est dégueulasse, ah ouais, là de profil c'est pas bien, enfin voilà, c'est particulier. Bon, ça place le contexte, ça place l'histoire, ça place le MacGuffin qui est pas mal, qui est beaucoup plus intéressant, je vais pas vous spoiler, hein, mais que celui du 4, moi je trouve que les extraterrestres ou les êtres interdimensionnels, ça ne fitait pas avec l'univers d'Indiana Jones, c'est comme ça. Mais là, je trouve que c'est plutôt intéressant, c'est bien exploité, donc ça, c'est pas mal. Alors ensuite, on avait très peur de la nana, hein, de Phoebe, là, oulala, on se disait, elle va prendre la place d'Indiana Jones, voilà. Hein. Non, franchement, j'étais agréablement surpris, elle est plutôt sympa, elle joue bien, le personnage est bien écrit, plus ou moins, enfin je veux dire, voilà. Elle n'est pas trop envahissante, c'est pas mal. Franchement, à ce niveau-là, ça c'était vraiment ma plus grosse crainte. Et non, elle n'essaye pas de prendre la place d'Indiana Jones. Ne vous en faites pas, rassurez-vous, à ce niveau-là, c'est plutôt bien. Ensuite, le film, il est sympathique, j'ai envie de vous dire, il est sympathique. C'est James Mangold. James Mangold, c'est pas un mauvais réalisateur. Il a fait de très bons films. Je veux dire, c'est réalisé correctement... La photographie est plutôt belle, etc. Mais le pauvre James. Et là, je suis désolé de le dire un petit peu vulgairement, mais dans ton cul, James. Parce que là on est obligé, c'est difficile, hein, mais on est obligé de faire la comparaison avec les autres. On peut pas s'en empêcher. On les connaît tellement par cœur, on les a digérés. Et là, il y a aucune maestria. C'est violent. On a l'impression de voir le maître et l'apprenti. Et l'apprenti qui serait en début de carrière, quoi. Alors, je trouve qu'il n'a pas essayé de singer Spielberg, il a gardé son style, mais en réalité, il aurait peut-être dû, parce que ça manque d'épique, ça manque de magie, ça manque de plans iconiques, ça manque de contre-plongées, de plans-séquences, de très longs plans. C'est clairement pas Spielberg. Et vraiment, ça, c'est le plus gros défaut du film, quoi. On est là... On passe pas un moment forcément désagréable. En plus, les méchants sont franchement pas mal. Le côté nazi, ouais, redite du nazi, c'est pas dérangeant dans le sens où
On va dire que les motivations des méchants sont intéressantes, c'est bien développé, et puis ce sont de vieux nazis, enfin voilà, après la guerre, tout ça. Donc c'est quand même assez différent de ce qu'on a connu, et ça c'est plutôt bien. Il y a du fan service, évidemment, on a le personnage de Salah qui sert à rien, par exemple. Bon, il est là, on aurait pu mettre quelqu'un d'autre, hein, mais je veux dire, bon, ça apporte pas grand-chose. Il y a aussi pour moi quelques petites erreurs au niveau du casting, parce qu'ils ont pris des acteurs connus, ils ont pris Mads Mikkelsen, ils ont pris Antonio Banderas, et forcément, bah, t'y crois un petit peu moins. C'est vrai que les méchants dans ceux d'avant, bah, ils n'étaient pas vraiment connus, quoi. Et du coup, bah, il y avait une espèce d'aura mystérieuse autour d'eux. Là, bah, c'est Mads Mikkelsen, quoi. Et c'est pareil, Antonio Banderas, si ça n'avait pas été Antonio Banderas, bon, bah, on aurait peut-être passé outre son personnage un peu OSEF. Mais là, on se dit, pourquoi il a pris Antonio Banderas? C'est bizarre. Alors, c'est vrai que c'est un peu curieux de dire ça, mais parce que dans les autres, c'était un peu ça, quoi. Il y avait voilà, Harrison Ford, et puis tous les autres, bon, même si ce sont des acteurs de grand talent, je veux dire, il n'y a pas de star particulièrement. Donc, je trouve que c'est un petit peu étrange, ça fait un tout petit peu sortir du film également. Le film est très long, il est plus long que les autres opus de la saga, et ça se ressent également. C'est pas mal, encore une fois, hein, mais ça patine un tout petit peu dans la choucroute. C'est sympa, mais c'est un peu mou, quoi. C'est un peu mou du genou. C'est un peu mou du fion, James. Ah, le pauvre James. Ah non, mais il souffre pas la comparaison, quoi. C'est vrai que la gestion du rythme dans les autres, et encore une fois, je suis obligé de comparer, hein. Mais souvenez-vous, l'ouverture du temple maudit avec le diamant, enfin voilà. Et puis même avant, quoi, toute la scène avec voilà, la nana qui chante, etc. La caméra qui rentre, ça devient quasiment un rêve, une comédie musicale. Et chaque opus arrivait à cerner quelque part l'époque dans laquelle le film se situait. Là, c'est pas le cas. Ils essayent, hein, alors on a marché sur la lune, tout ça, mais à mon sens, c'est pas du tout assez bien exploité. Et ça, j'ai trouvé vraiment dommage. Alors ensuite, John Williams, qui est plutôt jeune, le pépère. Hein. C'est pareil, la musique, elle est anecdotique. Franchement, c'est très très bizarre. Ils te mettent le thème à des moments hyper étranges. Enfin, c'est un peu fait sans aucune cohérence. C'est très très étrange. Moi, c'est vraiment une des choses qui m'a le plus dérangé, c'est l'utilisation de la musique. Alors surtout au début, hein, les 20 premières minutes, ils te remettent tous les thèmes dans le désordre, c'est trop trop bizarre, avec le... Je sais pas si je le fais bien, mais complètement what the fuck le moment. Et puis, on se rend compte aussi, James, dans ton cul, James, hein, je suis désolé de te le dire, mais si on compare à Tonton, le maître à bord, c'est Tonton Steven, hein. La spatialisation de l'action des enfants, putain, elle pose un sacré problème, quoi. Et hormis une poursuite au Maroc, où il y a beaucoup de practical, où c'est franchement vraiment bien géré, moi je l'avais vu d'ailleurs avant, cette séquence a été un petit peu coupée, mais qui est très très bonne, franchement, le reste, ça se dégonfle un peu, quoi. Il y a une scène sous-marine qui est franchement OSEF, on s'en fout, avec du fanservice qui sert à rien, on compare les sangsues à des serpents. Enfin, vous voyez venir le truc. Franchement, c'est un petit peu cheesy ce moment-là. Et puis, à la toute fin, bon, je vais rien spoiler évidemment, mais c'est pareil, hein, on retombe un peu dans les travers du début, c'est un peu full synthèse, c'est un tout petit peu cheesy, franchement. Alors que dans le 4, il y avait énormément de moments où on faisait non, au secours. Là, il n'y en a pas tellement. C'est, ça va, franchement, à ce niveau-là, c'est plutôt bien fait, et j'ai même envie de vous dire, et c'est un peu le point fort du film, je trouve, c'est assez émouvant. Il y a deux, trois scènes, franchement, qui sont poignantes et tout, ça, je m'y attendais pas, donc c'est plutôt bien. Mais on a vraiment envie de leur donner des petites baffes, quoi. On a vraiment envie de leur dire, mais pourquoi vous n'avez pas tout, absolument tout, tourné à l'ancienne, quoi? Il aurait fallu, vraiment, quoi, ça fait sortir du film. C'est pas raccord avec ce qu'on connaissait, quoi. Donc oui, c'est un film moderne, mais bon, hey, il y a énormément de films aujourd'hui qui sont faits en practical également, quoi. Je veux dire, merde, sortez-vous un peu les doigts, quoi. Bref, bon, bref. Donc, ton cul les doigts, hein, James. Bon, en tout cas,
C'est pas la catastrophe annoncée, je trouve pas ça ridicule, je trouve pas ça pathétique, je trouve ça juste un petit peu vain, un petit peu moyen, quoi. Et bon, on n'a pas du tout envie de voir un Indiana Jones moyen. On a envie de voir un pur chef-d'œuvre, on a envie de voir un film d'aventure incroyable. Voilà, on a envie de se prendre un truc dans la gueule, surtout à 300 millions. Et finalement, bah, on se retrouve devant un film sympa. Et ça m'ennuie, franchement, ça m'embête de vous le dire. Et puis, je trouve qu'il y a un problème aussi dans le scénario. Quand on présente le vieil Indy, ses problèmes, et la résolution de ses problèmes, quelque part, bah, on l'a déjà eu dans celui d'avant. J'ai envie de vous dire, ça c'est quand même un petit peu dommage, c'est un petit peu une redite, etc. Et j'ai trouvé ça, ouais, un petit peu curieux. Bon, c'est pas assez bien fait, c'est pas désagréable. Voilà, la toute dernière scène est assez émouvante, etc. Mais bon, c'est un peu du déjà-vu, quoi. Et quelque part, et je l'ai vu avec David de Film Talker, hein, il ressortait et puis il me disait, mais Rej, on n'a pas envie de voir ça, quoi. On n'a pas envie de voir un vieil indie comme ça boiter. On n'a pas envie de peut-être de voir nos icônes se rapprocher de la mort. Il y a peut-être un truc comme ça aussi. C'est vrai que ils sont tellement intemporels, ces films. On a tellement l'image de ce héros jeune, beau, athlétique, que là, de voir un petit vieux qui roule des fesses, ouais, c'est un petit peu relou, franchement. Donc, bah, on en parle dans les commentaires. Est-ce que vous avez trouvé que c'était incroyable? Est-ce que vous avez trouvé que c'était nul à chier? Est-ce que, comme moi, vous pensez que James Mangold s'est pris un bon gros fusil dans le boule? Eh bien, c'est à vous de jouer, c'est ici. Et bah sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique à chaud. Likez la vidéo si elle vous a diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!